L'équipe de France réussit son entrée en lice dans l'Euro 2024, victoire 1-0 face à l'Autriche et on va débriefer tout ça en direct sur FT Sport. On est en direct sur Youtube, sur Twitch, vous êtes déjà nombreux et on est aussi nombreux autour de la table puisqu'on est de nouveau 4, à commencer par Manu Moine, tu nous as fait peur, blessé ce matin à l'entraînement, finalement tu étais bien là ce soir. Exactement les gars, je suis content de vous voir, cette table est magnifique et ce plateau à 4 me ravit toujours les gars. T'es en forme en grande forme en, Un grande, grande forme. en grande forme. Bon, bah, grande bah, grande parfait. Forme. <laughs> ça, c'est des grands joueurs, ils montrent rien. Le, le gars, il en fait 72 heures qu'il travaille au Mans là, pour commenter des mecs euh, qui vont à 400 km/h. <laughs> je suis en grande forme, forme <laughs> il est crevé, le mec. Il a, il a deux pastèques à la place des chiffres. Mais tout va bien. <laughs> Thomas et Erwan sont aussi là pour débriefer cette victoire de l'équipe de France. Ça va, les gars Écoute, ça va, ça va mieux que l'attaque de l'équipe de France. <laughs> ah, oui. Plus inspiré. Pas difficile. Largement plus inspiré que. Mais on est content d'être là, la compétition a enfin commencé. On attendait ça, on en parlait à, dans la preview. Là, l'équipe de France qui est en train son tournoi, on sent tous qu'on est sur une vibe différente. Ça y est, c'est vrai, l'Euro est enfin lancé. Donc victoire 1-0 avec un but contre son camp des Autrichiens qui nous ont fait une bonne guerre, hein, des, des bons bouchers, <laughs> euh, nos amis, notamment Weber hein, qui a marqué euh, contre son camp à la 38 e minute. On va revenir en long et en large sur euh, cette victoire des Bleus. Je vous rappelle d'ailleurs que ce débrief sera aussi disponible en, en podcast, hein, comme toutes les émissions FT euh, Sport. Les gars, je vais vous demander pour commencer un mot pour vous qui, euh, qui ressortent ce match. Manu, j'ai envie de commencer par toi. Euh, un mot, euh, un mot, un mot. inflammatoire. Un ouais, tir inflammatoire, <laughs> ouais, dire. ouais. Euh, non, <laughs> non, un mot. Euh... J'en ai un moi, Pour que tu l'as Inefficacité. Inefficacité. Oui, voilà, c'est ouais, 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 le, le, le mot bon. qui va prédominer sur ce et, et le mot qui va. Après, après c'est peur en fait. Peur, peur alors, je l'explique très rapidement. Peur parce que justement, l'animation offensive, c'était la crainte et le, le. On va dire, voilà ce qui nous posait question avant le début de cet Euro. Et on n'a pas plus de réponses ce soir, et tu te fais peur parce que justement, tu n'es pas tranchant, tu n'es pas efficace ce soir. Moi, j'ai des réponses ce soir. Hein. C'est qu'on n'est pas offensif. On est inoffensif. inoffensif. Elle est là, la réponse ah, aussi. faut arrêter de dire, chaque fois qu'on fait des matchs où on marque pas des buts, où on mange des occasions incroyables, mm. où on doit gagner 3-0, le match à la 65e, 70 max, il doit être plié. En fait, on les a, les réponses. Les réponses, c'est que sur des gens, des noms, dont on a des, des vrais doutes avant la compétition, ben ce soir, après 88, ils ont fait que confirmer qu'en fait, ben on gagnera pas en mettant le plus de buts. Dans le chat, n'hésitez pas à donner votre mot aussi qui résume ce match. Thomas, tu rejeunais un peu ce truc Inoffensif oui absolument, mais complètement. Je pense que c'est ce qui va nous animer ce soir. On a vu plein de bonnes choses dans hein, la défense, le milieu, euh, l'impact, même physique. En enfin, face, ils ont envoyé mon gars, <laughs> et l'équipe de France a plutôt bien répondu. Bon, il y a quand même le nez de Mbappé qui est à l'hôpital ouais, aujourd'hui. Mais, euh, ouais. mais il y a beaucoup d'occasions et, et ça manque de tranchant, ça manque aussi de finesse, ça manque de. Dans ces moments-là, dans les derniers instants, de faire la bonne passe, le bon appel, etc. Et quand tu as réussi à le faire, bah, tu rates des occasions comme celle de Mbappé qui me, qui me semble encore euh, complètement ouf là. Et JSC qui dit un mot nez. C'est vrai que c'est très bien résumé pour ce match. Sûr, ouais. On va quand même voir la compo qu'avait décidé de mettre en place Didier Deschamps pour ce premier match de poule, une compo finalement sans réelle surprise. Allez, la grosse surprise c'était peut-être Saliba en défense centrale. On va commencer par ça les gars. Le match de Saliba aujourd'hui et le choix le choix de le mettre dans ce 11, on comprend finalement après 90 minutes, c'est un bon choix. Bah, en fait même avant les 90 minutes euh, moi c'était le choix que je voulais voir mais je pensais en ayant intégré le logiciel de Didier Deschamps que justement Saliba on le vrai. verrait pas euh, dans cette euh, dans cette équipe on rappelle qu'il a une qualité de relance absolument exceptionnelle sans doute l'un des défenseurs centraux si ce n'est le défenseur central français qui a réalisé la meilleure saison et il y a toujours et eh bien cette euh, cette paire euh, qu'aime bien euh, associer euh, Didier Deschamps qui rappelle aussi euh, la recette de 98 un joueur fin techniquement avec un golgoth robuste dur dans les duels et on a une parfaite complé complémentarité pardon dans, dans cette charnière. L'autre euh, surprise c'était euh, l'alignement d'Adrien Rabiot titulaire, Adrien Rabiot euh, aligné à N'Golo Kanté, on va commencer d'ailleurs par euh, ce milieu de terrain, je pense que c'est euh, la satisfaction de ce match Erwan, le ouais, milieu de les... terrain 70 minutes il n'avait pas plus, on l'a vu là sur les 10 dernières minutes, même en deuxième mi-temps on peut dire qu'il fait une deuxième mi-temps un petit peu en deçà mais les 45 premières minutes euh, c'est le meilleur joueur français pour moi à la pause, ça sera pas lui le meilleur français à la fin du match mais pour moi à la pause on peut en débattre on est là pour ça mais pour moi c'est lui qui réalise les meilleures 45 premières minutes, euh, Thomas a parlé des de manque de tranchant, lui, il a été, il a gagné des ballons mmh. importants, il a été, il est surtout, il a cette qualité. Mais je vous apprends, avec Adrien Rabiot, il va vers l'avant, mmh. il va vers l'avant, et ça, c'est quand même agréable. Des fois, de, et puis je trouve qu'il arrive vite à combiner avec, à, à combiner, pardon, avec avec Griezmann. Il, voilà, il emmène tout le monde avec lui vers l'avant, et ça, c'est quand, quand même, très appréciable. Oui, je rejoins complètement là-dessus. C'est un athlète déjà. C'est un athlète de très haut niveau. Il est grand, il est athlétique. Il casse des lignes par, par, par ses cannes. Et puis, tu as raison de dire à un moment donné, quand tu vois Jules Koundé, qui sur la première mi-temps n'a cessé de jouer euh, en arrière, Rabio, il a quand même cette volonté de faire contrôle, de s'ouvrir le jeu et ensuite de jouer avec Hernandez ou avec, euh, avec Mbappé. C'est quand même la grande force de l'équipe de France. On avait dit pendant la Coupe du Monde au Qatar, où euh, quels que soient les joueurs à gauche, ils avaient été performants. On l'a ressenti aujourd'hui. Le danger vient de la gauche et c'est en partie grâce à Rabio. Durant toute la preview euh, qu'on faisait de, de cette euro, on était très inquiet par ce milieu terrain. On avait peur de la, du manque de créativité. Qu'est-ce qu'il en ressort après un match manu à quand tu vois face à l'Autriche Moi, c'est pas pas ce qui m'inquiète le plus pour le moment, tu as raison, c'est vrai que c'était l'une des craintes même lors de, la liste, lors de la publication de la liste de, de Didier Deschamps, j'ai trouvé un canté en super forme, euh, qui a gratté énormément de ballons, qui a peut-être été le plus grand animateur offensif, notamment après la, la sortie de, de Adrien Rabiot, un Griezmann qui a été dans le combat, dans le registre qu'on qu 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 lui connaît, même si on, je l'ai vu très haut, assez haut quand même dans, dans la première période, un petit peu plus bas en, en seconde, euh, mais, euh, mais non, non moi j'ai trouvé justement ce, ce milieu de terrain très satisfaisant, et comme vous l'avez dit pour Rabiot c'est la même satisfaction il nous a procuré la même satisfaction qu'il nous avait procuré au début du tournoi en Coupe du Monde ouais, au Qatar, et, et ça montre aussi qu'il a un rôle tout à fait différent il y a quelques années dans cette équipe de France. Moi j'ai aimé oui. l'animation parce que ce qu'on veut de cette équipe, ah oui. c'est d'aller toucher les attaquants. Ils ont été touchés. Le ah nombre oui, de ballons oui, oui. que Dembélé a eu vrai. à jouer, que Kylian a eu à jouer et que Marcus Suram a eu à jouer mmh. sur des endroits différents, par euh, des phases de transition, parfois avec un peu plus de possession. Ils les ont eu, les mecs, à ouais. la fois les touches de balle et les occasions. Mmh. Donc pour moi, le milieu, il a vraiment fait son travail. Tactiquement, il y a eu des moments, où, la, la fin de la première mi-temps notamment, où tu sens que ça se délite un petit peu, mais bon, c'est juste un temps faible dans un match. Globalement, ils ont dominé, et ils sont la rampe de lancement pour les attaquants. Bon, après, si les attaquants sont nuls à chier, c'est un, un autre problème. <laughs> non, mais là, non, mais... On tu as raison tu sur l'animation. Moi, <laughs> l'animation m'a plu. Ah. Oh, incroyable, Il y a un égo, y a ton, fou, ton, un écho, y a ton frère jumeau qui est que juste, bon. euh, <laughs> que juste, derrière. Incroyable, euh, la, la était tellement bonne. <laughs> des ouais, c'est ça qu'il fallait vraiment. écouter une deuxième fois pour être sûr de, de bien l'avoir compris, entendu surtout. L'animation, t'as raison, moi, l'animation de cette équipe de France me satisfait. On a longtemps eu des débats les gars ensemble sur la recette Didier Deschamps, ce qui manquait un petit peu dans le jeu, le manque de romantisme, le manque justement de panache. Et moi, ce qui m'a plu chez Didier Deschamps, notamment en première période, c'est lorsqu'il se met en colère justement parce qu'il trouve que son équipe met pas assez d'intensité dans les transitions offensives, pas assez de, de vitesse justement dans le jeu pour in. aller toucher et eh bien les, les attaquants. Et moi je trouve que ça c'est des petites des petites choses qui sont rassurantes sur et eh bien le, le, la qualité de jeu qu'on pourrait voir de la part de nos bleus dans, dans cette Euro. Il y en a un qu'on a évoqué rapidement, mais il faut quand même qu'on qu s'attarde dessus. C'est le retour d'Angolo Kanté exceptionnel. C'est l'homme du match, il me semble par l'UEFA. C'est l'homme du match aussi pour First Team. C'est un retour exceptionnel. On s'attendait pas à le voir à ce niveau-là. En même temps, plus personne ne, ne le regardait jouer donc. <laughs> Moi, je ne lui mettais pas de, de plafond, par contre, j'étais curieux de voir. C'est vrai qu'après son euh, le fait d'être parti dans un championnat dit exotique comme ça, ben, on ne sait pas ce que ça vaut. Ah, quand tu pas. quittes le très haut niveau euh, qui est euh, la Première Ligue et, euh, et la Ligue des Champions. Bon ben voilà, moi je trouve qu'il fait un match plein, il a 10, pro, 10, 10 minutes en fin de premier temps où il pioche un peu, Et puis derrière en deuxième temps c'est un véritable récital, dès deux côtés du terrain, hein, on a retrouvé un mec euh, de 2018, un volume de jeu monstrueux, le retour à un moment donné sur un ballon, euh, encore une fois un choix incompréhensible de, de Marcus Thuram, mais c'est lui derrière alors qu'on est pris à défaut sur un contre qui vient dans les pieds récupérer le ballon. Bon voilà, moi je trouve que tout n'est pas rassurant ce soir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec lui, on, on peut voyager. On a retrouvé, euh, en tout cas, ce, 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 le Ngolo Kanté qui nous a fait gagner. De toute façon, les gars, on l'avait dit, Ngolo hein, Kanté, ses qualités, il ne les perdra jamais. Par contre, il faut qu'il ait les jambes. Là, à un moment, on a eu peur. Après, passé la 20e minute, il a un petit ouais. trou d'air. On se dit, oula, ok, mmh. il a peut-être le, le contre-coup. Finalement, euh, il fait un récital pendant 90 minutes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que justement, en Arabie saoudite, il joue pas forcément en ce rôle de, de numéro 8, ou en tout cas euh, milieu relayeur, ou box-to-box -box, tel qu'on l'a connu, notamment les gardiens évoluait évolué. Parce <laughs> qu'il évoluait en Angleterre. En fait, il joue plus haut. Il joue plus haut en Arabie saoudite. Je pas à 10, mais en tout cas, il joue beaucoup plus haut. Et c'est vrai que, je disais, en deuxième période, moi, j'ai trouvé que c'était peut-être l'arme offensive la plus intéressante. C'est peut-être un problème pour l'équipe de France, on y reviendra un petit peu plus tard, mais dans sa projection, il était intéressant. Et dans les duels, le nombre de ballons qu'il est, qu est, qu est parti gratter aujourd'hui, euh, il est souvent bien inspiré, souvent bien positionné. Euh, voilà, il a un cul -foot extraordinaire et on va en avoir besoin d'être Conte jusqu'à la fin de, de, Moi, de ce cette Moi, c'est euh, bluff avec lui, tu complète. vois, c'est que autant on connaît ses qualités, on va pas les refaire, vous venez de le dire, mais il a ce supplément d'âme à des mmh. endroits sur le terrain et à des moments auxquels tu ne l'attends pas. On a tous en mémoire, là, le 1 contre 2 en tant qu'ailier droit, qu'il a joué à un moment donné. Et Dembélé, il a joué 14 ballons dans ce match. Il y a, il y a une bonne passe, et encore je ne m'en souviens pas, donc je ne suis même pas sûr <laughs> qu'il y ait une bonne action. Lui il se retrouve en 1 contre 2. Crochet, il revient, tac, et il fait un bon centre à la fin. Et c'est le seul qui a réussi à faire un bon centre si j'enlève Théo Hernandez. Moi, il me bluffe parce qu'il arrive toujours à ouais à, à, à amener quelque chose que tu vas pas attendre, une espèce de petite étincelle, etc. Alors, il n'a pas été décisif ce soir, mais son volume de jeu, il est juste exceptionnel. Clairement. Moi, moi, ça me rassure d'avoir euh, Ngolo Kanté. Ça m'a toujours rassuré hein, depuis, euh, depuis qu'il est en équipe de France. Mais là, de le revoir, ça fait une sensation bizarre de, de se dire, il y aura toujours quelqu'un dans cet espace-là. Donc, c'est assez, assez satisfaisant, assez réconfortant d'avoir Ngolo Kanté. On ne sait pas s'il va. Au vu de ce premier match, on imagine qu'il va rester dans le 11 hein, au fil, même si euh, Chouamini revient dans, dans la compétition. On, y, on reviendra plus tard. Mais en tout cas, il a, il a été rassurant. On va rester dans ce qui nous a rassurés avant d'aller vers ce qui nous a un peu inquiété. On va aller sur la défense quand même. Il euh, y a des bonnes choses qu'on a vues, à commencer par Théo Hernandez. Qui a, été, euh, qui a été magnifique sur son côté gauche. C'est parce... pas parce qu'il était bon en défense. Non, parce qu'il a... qu s'est projeté. Parce qu'il ah s'est ouais. projeté. Et justement, <laughs> on, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, l'animation dans le couloir gauche, le côté fort de cette équipe de France, parce que c'est aussi le côté qui est autorisé eh bien à se, à se projeter, à porter le danger, euh, ça a été le côté fort de l'équipe de France. Théo Hernandez, ça va être euh, l'une des armes, en tout cas, importantes pour, pour Didier Deschamps dans, dans cette compétition. Et aussi, je pense que Théo Hernandez a profité. De l'abattage, on va dire, de Marcus Turam aussi, également dans ce couloir gauche. C'est la première et dernière fois que j'irai du bien de Marcus Thuram dans cette <laughs> émission concernant la suite vu, de l'évaluation de, de, de ce match-là. Mais, mais c'est vrai que c'est là où il y a une complémentarité intéressante avec un Théo Hernandez qui aime beaucoup dédoubler dans le, dans le couloir et un, et un Marcus Thuram justement, ben, est, qui est très est, solide et qui travaille beaucoup. C'est lui, lui qui, a l'origine de la première action de, de Bappé, encore une fois, avec ce dédoublement, encore une fois, cette volonté de gagner des duels, de se projeter vers l'avant, t'as raison. Et là, Marcus Turam est impliqué sur son, sur son bon travail. Le problème, c'est que c'est un travail. De, de relayeur et non plus un travail d'attaquant. On appuie, ah, on appuie. Voilà, et comme son des, père et, un et, peu et, à l'époque. <laughs> et, et, et puis <laughs> des, Et puis d'ailleurs, son père était latéral quand même. Hein, oui, c'est ça. Central, central. Hein, oui, oui, ouais. et, euh, et du à coup, euh, et du coup, ça donne la première action pour Bappé qui qui, qui va mal jouer le coup. Hein, mais euh, mais c'est vrai, voilà, c'est lui le premier qui amène les premiers dangers dans ce match. Euh, Théo Hernandez, donc très impressionnant. Au niveau de la charnière centrale, les gars, Saliba ou pas Meccano, Saliba, on en a déjà parlé, on était euh, plutôt content Mais sur l'harmonie de cette charnière centrale, vous en avez pensé quoi On avait peur un peu qu'il n'y ait pas d'automatisme, on pensait qu'il y allait mettre Konaté. Finalement, faut il bosse, les ils mecs, se hein. sont un peu marché dessus bah, souvent. Oui, faut il bosse. Mais Alors... ça a tenu oui, ça a tenu parce, parce qu'en qu face. très euh... mauvais en face. Okay. Ouais, et puis ça a tenu. Et ou pas. Mécano, sur, sa, sur la dinguerie qu'il fait en première mi-temps, ça offre une vraie occasion. Et Mike Méniant est obligé de sortir un arrêt de très haut niveau. Mais moi, j'ai été étonné parce que je pensais qu'il allait faire jouer Konaté, Comme ça, Saliba allait jouer axe droit. Là où il joue tout le temps. Et Konaté joue axe gauche. On l'a vu à Coupe du Monde, il joue axe gauche. Ouais. Donc là, il tu vois, tu as un peu changé absolument tout. Bon, ces deux joueurs de, de très haut niveau, ils ont, ils ont fait plutôt un bon match. Mais tu sens qu'il faut travailler les automatismes. Il faut qu'ils arrivent à parler. Il y a des moments où tu as l'impression qu'ils se parlent pas, les mecs. Et ça peut provoquer parfois un peu de confusion euh, et des situations un petit peu dangereuses. Mais globalement, ils ont fait un bon match, ils ont été solides, ils ont repoussé absolument tous les assauts, ils sont bons de la tête, ils sont bons techniquement. Bon, euh, franchement, c'est un bon match de la charnière. C'est charnier... un bon premier match ensemble. C'est une charnière à deux, mais Merwan, on peut parler d'une charnière à trois, puisque oui. Koundé ne monte jamais il est, et il est très solide en défense. C'est plutôt trois centraux sur les phases défensives. Ben, de toute façon, Jules Koundé, c'est un, un, un défenseur central de métier, on, sait, mm. on le voit bien de toute façon dans sa manière de jouer, dans sa manière de ne prendre absolument aucun risque. Belle frappe, hein sa manière, dans sa manière d'être, mais, en fait, mais ce n'est pas son rôle. Alors on va le dire, on va le redire. On l'a déjà dit 25 fois sur d'autres mmh. compétitions, ce n'est pas son rôle. Donc en fait, il est euh, appliqué peut être beaucoup trop même. Et on a vu son... ses 20 premières minutes sont compliquées, euh, sont brumeuses. Je ne sais pas trop où il peut aller. Voilà, il se... à un moment donné, il y a un coup, il peut se projeter. Boum, on le voit reculer, arrêter pour pas qu'il soit pris à défaut. Si jamais il y a un contre, il est vraiment dans les consignes. Euh, on sait que c'est compliqué pour lui à ce poste là, que Didier Deschamps veut insister. Écoute, on, on fait avec, je trouve qu'il il est finalement rentré dans son match, il a gagné des duels, euh, il, y a, il a une frappe où il aurait pu mieux faire, il fait une espèce de frappe de vieille, tout écrasé, donc il a <laughs> réussi à se projeter aussi sur, sur des moments. mais il a tenu son couloir voilà. voilà. ce qu'on lui demande Il a tenu son couloir, on le verra dans les notes tout ouais, à l'heure. Ouais, ouais. Maintenant des fois on est forcément frustré, on risque de l'être tout le temps, mais lui en même temps il ne peut pas se permettre ce que Théo Hernandez se permet de l'autre côté. Voilà, Au contraire, c'est parce qu'il est lui que Théo Hernandez fait le match qu'il fait. Si tu as Jonathan Klos... Euh, nos deux gars derrière ils sont à poil hein. ah oui, ils sont à poil ils défendent la 3 et troisième c'est Macméniant donc en ils fait pense tout c'est ouais. ça et c'est ça revient au, au sujet qu'on qu qu sortait <laughs> souvent le, lors des débriefs de la Coupe du Monde au Qatar c'est est-ce que tu fais le procès de Jules Koundé ou est-ce que tu fais le procès de Didier Deschamps si tu prends comment tu notes aujourd'hui Jules Koundé euh, est-ce que tu le notes comme un latéral droit ou est-ce que tu le notes vis-à-vis -vis de ce que lui demande Didier Deschamps si tu notes comme un latéral droit il aura une très mauvaise note si tu le notes vis-à-vis -vis des consignes qui sont celles de son coach bah tu lui mets plus que la moyenne On a... J'ai l'impression quand même que c'est une consigne du coach, hein, parce ah bah que, on se rappelle de Benjamin clairement. Pavard en 2018, à un moment c'est pareil, si à gauche il pouvait autant monter, c'est que t'as un moment, t'as un gars, et la seule fois où il monte, il met une sacrée praline <laughs> en lucarne contre l'Argentine. Sou souvenez-vous de cette action en première mi-temps, où Dembélé, il y a de l'allant, il y a ouais. Griezmann qui mmh. lance Dembélé, Koundé, il, a, il ouais. arrive plein badin, il passe la ligne, ligne, euh, ligne médiane, et là, fou, hop, aérofrein, et là tu sais que c'est une consigne parce que l'âme d'enfant du joueur de foot ah, il va quoi qu'il arrive dédoubler il va y aller Koundé ne dédouble jamais parce que clairement ah, il respecte mais Dis il le faut c'est hein. ce qui amènera cette équipe de France loin c'est la discipline c'est le sérieux voilà, et, la et puis ça laisse, ça laisse de la place aussi sur ce, sur ce couloir droit où aime bien le fameux demi-espace comme les grands chimistes du foot aiment bien nous abreuver de ce genre de, de, de thème il aime bien justement eh bien, traîner dans cette zone dans ce demi-espace à droite Antoine Griezmann et si tu avais monté de Koundé des doublements de, de Dembélé bah, aurais moins aussi de possibilités pour Antoine Griezmann d'apporter un rôle offensif et nous on, on sait on veut voir aussi un Antoine Griezmann guerrier et, et très bon défenseur, mais on veut aussi voir Antoine Gresman bah, qui apporte de la langue, qui mmh. a la construction et qui peut aller justement apporter du danger devant. Thomas, dans le chat, vous a mis des, euh, des sondages pour élire l'homme du match sur Twitch ou sur euh, YouTube. Pour l'instant, c'est N'Golo Kanté qui en ressort. Mais dans les noms, et ce sera le dernier point gros positif euh, que l'on euh, sortira ce soir, c'est Mike Mignon qui a là, alors, était à 5% dans les votes, mais il fait un match euh, de patron. On rappelle, c'est sa première grande compétition. Mac en, en deux sorties nous a rassurés c'est un c'est un patron vraiment il a il a tout il a tout du gardien moderne rassurant et on sait que c'est important d'avoir des gardiens rassurants il est bon dans les airs il est bon dans il anticipe tout il est très haut sur le terrain il a ce, ce côté là aussi et puis euh, et puis il fait un arrêt décisif c'est ce qu'on attend aussi des gardiens et puis on voit qu'il a pas peur d'aller mettre la tête là où certains n'osent pas mettre le, le pied cette la sortie là en fin de match notamment où il prend un bouchon terrible et il le sait qu'il va le prendre le bouchon hein, parce que les Autrichiens ils n'ont pas hésité à mettre le pied à laisser traîner les pieds <laughs> mais l'équipe de rugby ouais. en tout cas oh, ouais, ouais, oh, ouais. Si, si, ouais, ouais. il sait il sait, il y va, il joue clairement en demi finale du ouais. top 14 d'ailleurs ah c'est du bébé autriche du coup la demi-ouest C'est le gros point faible Les autres c'est dans les rucks aujourd'hui Non mais donc Mac Mignon il a été vaillant Il a été bon sur des relances aussi Il a ce sens du jeu voilà Je pense qu'on tient notre gardien pour Pour moins une dizaine d'années Et ça fait sauf malheur mais ça fait Franchement ça fait kiffer, c'est bien de revoir un nouveau visage On a adoré Yoris mais c'est bien de revoir un nouveau visage Donc non, rassurez Pour moi c'est le meilleur de la défense, c'est lui le meilleur ce soir Il aurait fait du bien au PSG bah tu <laughs> sais, c'est marrant parce que je pensais à ça, je me disais... Rway, il, est pas il, a... form... il est pas formé au PSG Ah si. si, bien sûr <laughs> Rway, il n'a pas Lopez. Vous, vous avez Anthony Lopez. Qu il l'avait. Lopez, comme ça, il l'avait. Uh, Paul Lopez, il reste pas je crois. Hein. Oui, bon, en tout cas, je veux dire, cette <laughs> saison. Anthony Et il oui. oui. y a Donnarumma au PSG. Frérot Mike Mignon, honnêtement, il est au moins, environ trois fois plus fort que tous ces mecs-là. Ah, oui. Genre, tu disais, euh, il est complet, voilà, il est, il est polyvalent, complet, il a peur de rien, il est rassurant. Alors, oui, il a été blessé cette année, c'était plus difficile et tout. Là, j'ai vu un grand gardien à l'œuvre. Et puis surtout, il fait un truc qu'on adore chez les, chez les gardiens, c'est qu'on on l'a pas beaucoup vu en première mi-temps, en tout cas, sur sa ligne, etc. Il y a une parade à faire, il sort un arrêt extraordinaire un euh, où il sent bien le coup. Franchement, euh, Donnarumma il a but, quoi, à un moment donné. Mais parce que je fais si... tout le temps la comparaison avec ce italien. Mais si tu prends justement le scénario de ce match où tu dois largement, techniquement, physiquement. Bref, on pourrait sortir tous les tous les principes et les poncifs du football. Euh, où tu domines une équipe justement sans être réaliste. Et bah, Mac Mignan a clairement sa part dans le résultat de l'équipe de France aujourd'hui. Parce que tu l'as dit, l'occasion des Autrichiens à la 35 e Si t'as pas Mike Mignan, bah tu te retrouves peut-être mené. La fin de match, peut-être tu peux, tu peux te, te faire égaliser. Non, Mac Mignan, il a tout d'un grand. Et moi, ce que j'aime beaucoup, surtout chez ce gardien, c'est qu'il a ce que. De grands gardiens, ou en tout cas de gardiens bon barbière, qui ont cette ouais, étiquette, bon. de bons gardiens ouais. ont, je trouve, aujourd'hui en 2024, c'est qu'il a une personnalité. Ouais, il est complètement fou, ça on le sait. Moi j'ai eu l'occasion de le suivre justement en jeune, à l'époque où le Paris Saint-Germain lui est pré préféré à Réola, euh, alors qu'on tous les observateurs savaient que Mike Maignan avait un truc en plus. Euh, non, il a une vraie personnalité, et ça c'est très important pour notre équipe de France. Et moi ce que j'aime bien, et ce qu'on s'était un peu interdit en équipe de France, c'est qu'il monte beaucoup, on le voit beaucoup monter et jouer au pied. Et ça, on s'interdisait un pied, peu hein. ça avec Hugo, avec Hugo mmh. Lui, tu sais que tu peux repasser par lui. Il va orienter. Alors, il a envoyé quelques, pieds, hein. quelques trucs mmh. en mmh. touche, mais il, pieds, est, hein. il est très, très fiable euh, mmh. au, niveau de, au niveau des pieds. Bon, on a fait le tour des, des trucs un peu positifs, les gars. Je vous propose de rentrer <laughs> un peu dans le, dans le sérieux. On va rentrer dans le secteur offensif qui a été euh, et bah, très, 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 très peu inspiré. La preuve, on n'a pas marqué de but avec nos propres joueurs. C'est un but contre son camp, on le rappelle. Par qui on commence, les gars Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Kylian Mbappé Commence On par commence star. par la star, Toujours. Kylian Mbappé, qui est à l'origine du but, mais c'est encore le Kylian Mbappé qu'on voit depuis des mois, le Kylian pas inspiré, les gars. Non, moi, honnêtement, il est… <laughs> la première action, action qu'il fait, donc où il y a ce dédoublement avec, ouais. euh, avec Arnaz, où Rabiot le lance très bien, il fait un truc qui n'est pas de lui. C'est-à-dire mmh. qu'il a au moins deux, encore un mètre, voire deux, pour aller encore plus fixer, pour peut-être s'ouvrir à un autre angle, pour s'ouvrir à un autre angle de passe ou de tir. Puis... Et en fait, il se précipite. Et Kylian Mbappé, s'il se précipite, et on sait qu'avant l'euro, il y, y, y avait des rumeurs sur son état physique, il n'est pas à 100%. L'une des dernières séances, il l'a fait en salle à faire du vélo, à faire du foncier, parce qu'il n'est pas à 100%. Donc voilà, donc Kylian Mbappé, ben il n'est pas à 100%. Et quand Kylian Mbappé n'est pas à 100%, ben ça donne ça. Ça donne un mec maladroit, il n'est pas que maladroit, il n'est pas inspiré aussi, il se précipite son geste. Ou alors il joue trop facile comme en deuxième mi-temps. Donc non, c'est un match, il sauve la mise. On avait un débat avec Thomas là-dessus, parce que c'est vrai que le but, c'est amené par lui, ça reste un but contre son camp. Moi je suis, je reste évidemment sur ma faim et je reste même inquiet pour la suite de la compétition. Mais les gars, il y a autre je... chose que le physique là moi pas que physique non, pour moi c'est physique moi je que pense vraiment c'est le face physique. à face là c'est le physique et ne serais ouais. pas définitif c'est-à-dire que euh, on a eu une communication de Didier Deschamps on a eu une communication de Kylian Mbappé qui nous ont expliqué justement Qu'il bah, que euh, il arrivait pas dans les meilleures euh, dispositions et qu'il allait avoir une très très grosse préparation est-ce qu'il paye justement cette très grosse préparation est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un meilleur Kylian Mbappé ou une montée en puissance euh, dans ouais. cet Euro il y a, y a deux semaines il était au festival de Cannes oui, oui, tu non, me parles non, de non, mais, non, je sais je sais mais juste après juste la promesse de Didier Deschamps. Qu Il a, a dit a déjà que, fait que le festival de a... peux non, dire bah... ça se prépare à tous, ça fait un euro de foot. Hein. Non, je, te je te croire. parle en connaissance de je veux... cause. Hein. Je veux bien te croire. Mais, mais voilà, je vais attendre. Je suis très déçu de ce match. On va attendre de voir. Euh, on va attendre de voir ce qui va se passer maintenant dans, dans les semaines qui viennent. Mais c'est sûr qu'on est très très loin du Kylian Mbappé que euh, qu'on qu a pu connaître. Moi, ouais, je vous rejoins complètement et on en a parlé dans la prévue Mais pour moi, ouais, moi, il pas, moi, juste pour te dire, ah. mais tu, parce que parce, bah, parce que je sais que tu vas introduire un sujet. Pour moi, j'attribuerai pas le C.S.C. à Kylian Mbappé, mais je te laisse nous expliquer aussi. Euh... Bon, ça bah, pour moi, c'est une, c'est une, c'est bah, pas de façon. C'est une pression collective, c'est une attitude collective qui fait que on pousse les Autrichiens à la faute. Il ouais, y a bien un mec qui fait un dribble, sont... qui fait un centre, et il y a un Autrichien qui a abandonné de oui, oui. mettre une tête. Non, en fait, on a neuf... enfin, je vais pas lui dire bravo pour en ça. Fait... Je dis que c'est la hein. Mais on, on a 9 Autrichiens dans la surface de réparation au moment de ce but. Neuf Autrichiens qui sont complètement passifs, qui sont battus dans absolument tous les duels, et une équipe de France qui va les presser très très haut et qui arrive en nombre. Enfin, Alors y oui, bon, bon, il y a le geste de Kylian Mbappé, ah, mais moi je pense qu'il y a surtout une notion collective d'une équipe qui pousse l'autre à la faute et équipe si la tu veux la main, que c est... C est... je suis plus racontes, je, je bah... suis plus dans l'analyse de ce but à me dire que les Autrichiens sont cataclysmiques oui, à être bah, autant oui, oui, en, en termes de densité dans cette surface et, et aussi mou et aussi passif Qu'à me dire que le geste de Kylian Mbappé est vraiment à l'origine un contrat. Il a, a, il y a il un, contrat. Voilà. Ouais, y a un voilà. contrat. Sachant que l'action, juste avant, on se demande un peu ce qu'il fout à droite. Il a fait un appel qui n'a pas été récompensé. Mm. Et puis lui donne un bas Et puis, en mm. fait, il joue un contrat arrêté. Donc, mm. euh, il gagne un duel. Donc, quand il y a un mec qui gagne un duel, tout de suite, la défense est sur le reculoir. Donc, euh, mais sans jusque-là. c'est lui qui fait. Enfin, on peut tourner comme on veut. C'est lui qui a fait la différence. La vérité entre les deux, je pense. Il y a un zéro. il y a un gars qui a fait un centre. Il y a l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Vauber. Vauber. Beau match. Belle tête. Belle bon match. <laughs> belle tête, belle bon tête. Non, moi, je, là, ce que j'ai vu, c'est juste la continuité de ce dont on parlait dans la prévue. Il n'est absolument pas en forme, il a perdu son explosivité. Et pourtant, sur cette action immanquable, là, où il tire à côté, j'ai retrouvé sur quelques mètres, paf, un Kylian qui, qui met à l'amende absolument tout le monde. Mais la finition qu'il a, c'est parce qu'il n'est pas en canne, c'est parce qu'il mmh. ne vole plus sur le terrain. Il n'est plus qui il est, qui a été, en tout cas, il y a deux ans. Donc, euh, à voir si ça se confirme dans, avec la suite du, de, la, de la Coupe d'Europe, à voir si il peut jouer. Parce que quand tu te pètes le nez, clairement, son nez, il était, il était comme ça. On va voir combien de temps il va être arrêté. Il si va pouvoir souffler peut-être. Je, moi j besoin, je pense qu'il a besoin de jouer, ouais, moi. Hein. De rythme, moi, je pense ouais, qu'il faut qu'il joue un maximum. Et là, ouais. c'est pas sûr qu'il joue contre les Pays-Bas. Il aura un masque, c'est sûr. Vendredi. Mais quand Tu vois, c'est peut-être la semaine prochaine. Donc, euh, on moi, j'ai l'inquiétude. Je me souviens, hein. souviens Steve Nash avec les Suns. Donc, pour ceux qui suivent l'NBA, qui avait pris un énorme tampon euh, avec les, les, les Suns donc face aux Spurs. Il avait le nez complètement ouais. euh, euh, en travers. Et je crois qu'on l'avait remis. remis. Il, mais il, mais là, je pense qu'il l'a remis derrière. derrière. Mais là, le problème, c'est que non seulement t'as mal. Après tu joues avec un masque, mais le gros risque c'est que tu, tu reprennes, un, reprennes coup. un coup et si tu retombes contre des bouchers comme les Autrichiens ce soir, forcément il y a un mec qui va te viser. Ça fait partie du très haut niveau de jouer sur les faiblesses des mecs et avoir un nez comme ça, c'est une énorme faiblesse dont que tout le monde sait. Donc euh, ouais, moi j'ai de l'inquiétude pour la suite du, du tournoi de Kylian. Il était pas bien, il était vraiment pas bien. Après, il le sang, temps. après, après gars, il prend, ouais. il un énorme tampon. Hein. Ah ouais. Le Rudiger euh, Autrichien, il a, il a bien envoyé. Danso, <laughs> Je ne sais même pas comment il a fini le match. L'ancien. Monde est à toi. Moi, moi. <laughs> Ah Dans sous la on nous dit que Mbappé vient d'être annoncé out 10 jours minimum. On va vérifier ah, quand même cette info. Alors. Parce que. Si pété, c'est long. Hein. Vous, vous qui qu suivez dire... euh, de près, les gars, de la NBA, on sait que quand même, les, les nez cassés, c'est les choses qui arrivent peut-être un peu plus souvent, j'ai l'impression en basket que, que, que dans les grandes compétitions internationales de, de football, généralement c'est combien de temps le, Mais le problème les... c'est que si tu reprends un coup, tu peux mourir. Donc à un ouais. moment donné, ils vont te mettre ouais, sur le tech. Ouais. Hein. Ouais, T'as la préservation. Tu sais, c'est enfin, juste tout euh, ça. C'est euh, toi, t'arrêtes, elle est euh... comme ça, on te remet un coup. Pff, hop. T'imagines qui ah, ouais, vient, ouais. qui meurt euh... Ça serait dommage. Contre les Pays-Bas. On ah, le sait ah, Qui, qui reste sur le côté 10 jours. Non mais tu vois. ça, tu pas. Je sais pas. On verra. 10 jours, ça me paraît. C'est pas délirant. En tout cas, il n'y a pas d'info pour l'instant qui est sorti On rappelle que le prochain match des Bleus c'est vendredi face aux Pays-Bas. Il n'a pas été inspiré mais euh, le grand problème c'est qu'il n'a pas été le seul et que les autres ont limite été euh, euh, pires. Euh, on va commencer par Ousmane Dembélé, son coéquipier au, au PSG. Dembélé, on le retrouve dans ce qu'il sait faire et surtout dans ce qu'il ne sait pas faire, c'est-à-dire avoir un impact vraiment quand on en a besoin. Moi, des joueurs comme ça, techniques, il a, eu des... il a eu beaucoup de situations aujourd'hui, moi je... je peux accepter le taux d'erreur. Voilà, on faut les laisser, c'est des artistes, il faut accepter un taux d'erreur. Le problème de Ousmane Dembélé, surtout avec l'équipe de France, c'est que son taux d'erreur est bien plus supérieur à son taux de réussite. Il a trop de déchets, ce garçon. Il a trop de déchets pour le haut niveau. Voilà, donc après, on peut me, on peut me dire répéter ce qu'on veut. Ce garçon a beaucoup trop de déchets pour le très haut niveau. Moi, je l'ai dit dans la preview, j'ai encore en mémoire sa demi-finale de Coupe du Monde. Euh, il est catastrophique la finale j'en parle même pas il y, 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 y a un blocage chez ce garçon il y a un vrai blocage et puis quand il rate des choses il ne met pas ça de la barre ou sur la barre il met des, des chaussettes les passes, euh, les des passes, passes des passes, 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 passes ratées pas. trop longues des chaussettes dans les tribunes il est et puis j'ai l'impression qu'il se frustre très vite il va faire une faute à un moment donné il prend un carton parce qu'il est énervé et derrière en plus ça donne un coup franc ça donne un coup franc un petit peu qui, qui aurait pu être dangereux non, je, 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 je pense qu'il est euh, je te dis voilà moi en fait c'est comme ça que je vais juger Dembélé, ça peut paraître très pragmatique mais son taux d'erreur pour moi est beaucoup trop euh, élevé par rapport à son taux de réussite. Est-ce qu'on peut trouver une circonstance atténuante dans le fait que Koundé ne monte pas Du coup, tu es toujours au moins en un contre un voire en un contre Griezmann. deux et du coup. Il y a Griezmann, Griezmann qui vient l'appuyer mais ce n'est pas Griezmann qui va faire les appels en profondeur ah, ou des doublés. En fait, ouais. peut-être que pour moi, je rejoins tout à fait ce que tu as dit et, et malheureusement on le dit depuis trop souvent euh, sur ce plateau, que ce soit pour les matchs du PSG que ce soit pour les matchs de l'équipe de France. Moi, si tu veux, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que à la fois il a beaucoup embêté cette équipe de, de l'Autrichienne. autrichienne, pardon. Euh, il les a poussés à la faute. Euh, il, les, voilà. il, il, les a, il les a, cramés, il les a, euh, il les a, épuisés. les a Mais arrivé dans les 20 derniers mètres, c'est pas un grand joueur. enfin, c'est un joueur de Ligue des Champions euh, dans les 70 premiers mètres. Arrivé dans les 20 derniers mètres, c'est pas un grand joueur. Il lui manque quelque chose en tout cas pour être différent. Alors. On l'avait vu commencer la Coupe du Monde 2018 dans la peau d'un titulaire. On l'avait vu reculer justement et devenir remplaçant. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop tôt Est-ce que tu as d'autres solutions pour remplacer... Si euh, c'est Ronda Koumani, la Mélé. solution, il va jouer longtemps. Ben de ça, Mélé, le hein. ai et comment, comment il ne joue pas euh, été Bradley, là, il l'adore. En fait, après, je pense qu'il mm. l'aime beaucoup, hein. il, il beaucoup. Il a vraiment confiance, Dédé a confiance en Ronda Koumani. Et, et il a envie de lui donner cette confiance. Mm. Tu vas être différent que cette saison avec le PSG. Et donc, tu es le premier mm. entrant, tu vas nous montrer, premier ballon, perte de deux balle. Deuxième ballon, perte de balle. Waouh Bref, euh, le côté droit il est, il est, il est en chantier, c'est sûr. Dembélé, il a quand même cette qualité que c'est un joueur de rupture et qu'à chaque fois qu'il touche la balle, as l'impression qu'il va se passer un truc. Il a quand même ce truc ah, qui est, est fou. Donc il a un contre 1 tout le temps. Un joueur qui a un contre 1 tout le temps, normalement il doit passer, allez. Franchement je vous dis une fois sur cinq, c'est une moyenne très basse. Une fois sur cinq tu dois passer, une fois sur cinq, tu dois faire la bonne passe. Une fois sur cinq tu dois mettre une frappe un peu intéressante. Ce soir, je j'en ai pas une en tête. Mmh. C'est malheureux quand tu joues euh, 30 ballons euh, sur ton aile droite comme tu aimes, etc. Donc, euh, oui, la frustration. Après, petit euh, bémol positif, il a fait les efforts, je l'ai vu défendre, je l'ai vu couvrir, oui, voilà. ouais. non, Oui, je dis comme ça, je ne vous, non, pas mais... match, hein, non, je vous non, dis non. pas que ça change le match. Hein, non, je non, dis, non. Bon, voilà. Mais il faut, faut le dire, tu as, voilà, faut bon, le dire, as raison. Et, et franchement, sur la première demi-heure. Il les met à l'envers les autrichiens, ils deviennent Il c est pas fou. Tu dis un truc intéressant, il pousse beaucoup à la faute. Il les pousse à la faute. Il les pousse à la faute, à la faute ah, mais on, on Mais c'est l'Autriche. C'est l'Autriche. Je sais ballon quoi. Qu'est-ce que ce sera contre les Pays-Bas Qu'est-ce que ce sera ouais. si tu dois jouer le Portugal, l'Angleterre ou d'autres Hier conditions... avec Kane, il a joué, il a touché deux ballons en première mi-temps. Dembélé, j'aimerais bien savoir comment il en a touché dans le match. Euh, il a pas non, il a touché ouais, beaucoup ouais. plus de, de ballons et ouais. des bons ballons en rythme, des bons ballons de un contre un. C'est là où il évolue les ballons sinon ça sert rien que ce soit sur le terrain. Dans le chat, on nous demande beaucoup pourquoi Coman n'est pas rentré. Moi, j'ai ma petite idée, c'est quand même qu'à moment l'autre c'est un en, en glace, et qu'en face c'est des, des armoires à glace. Ah oui, c'est un oui. mauvais jeu de mots, mais je pense que s'il rentre, il, se, il finit avec la cheville derrière <laughs> l'oreille commande, donc je pense qu'il l'a préservé. Ah ouais. Et peut-être Barcola aussi, qui est un peu un, un peu frais, à voir ouais, pourquoi ouais, il l'a pas fait jouer. Mais tu avais raison, hein? Dans la preview, tu sais, de, quand on a débriefé la liste de l'équipe de France, on se demandait quelle serait la rotation, quels seraient les joueurs, ouais. les impact players de Didier Deschamps. On défendait l'idée Barcola bon, bah voilà, tu maîtrises mieux le Didier Deschamps que nous. Bah, c'est le, derni le dernier ailier <laughs> dans, dans la rotation pour l'instant, c'est normal. Pour voilà. qu'on parle de Marcus Thuram, je vous propose qu'on voit les notes euh, qu'on a attribuées à, à l'équipe de France ce soir. Et comme ça, on va voir la note de Marcus Thuram qui a la même euh, que l'attaque. Marcus Thuram, on lui a mis un 4 euh, sur 10. Marcus Thuram, la qualité de ce soir, c'est qu'on l'a énormément vu. Mmh. Mine de rien, il a beaucoup touché. Euh, de ballon. Le problème c'est qu'il a peut-être touché un peu trop. Marcus Mancini suram. Mais <laughs> non mais <laughs> avec ses passements, avec ses passements. De genre. Moi le truc de Marcus Suram c'est qu'on le voit beaucoup parce qu'il est il est actif, il mmh. fait des mmh. choses, ouais. il fait des bonnes choses. Le problème c'est qu'il fait tout sauf des trucs d'attaquant. Voilà. Et ça me, ça me perturbe, ça me perturbe énormément. <laughs> à un moment donné, il y a un ballon, il y a un lobe à tenter le gardien, qui est, le gardien est, autrichien qui est une catastrophe. Il, il, ah oui. Chaque fois qu'il est sorti, il chaque fois il joue un vaillant à hein, ça, le mec. À moment, il y a un lobe à tenter, tente-le, le lobe tu le rates, ouais. personne ne va rien te reprocher, tente-le. Ah non, il est là, nan, nan, nan. il ne sent pas. Dès les 20, on revient au 20 derniers mètres mmh. il sent pas mmh. les coups. Mmh. Et ces mecs-là sont des attaquants à l'Inter Milan. Les mecs, ils, sentent, ils sont titulaires en équipe de France, ils sentent pas les coups. Ils sentent, c'est un truc de malade. Ils se... t... Au point que même maintenant, ils ne tentent plus. Le lob, tout le monde on le voit, le gardien, il sort, il est au pâquerette. Tente-le, le, le lob Il est au champignon, le... la, 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 la. la défense, tente-le non, 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 je la garde, la Mais qu'est-ce que tu fais Mais putain, mais vous êtes attaquant Dans ce cas-là, recule, tu dis qu'il y a un 8 et tu es en concurrence avec Rabio Et ouais, on a trouvé la solution. On a trouvé Randall Colomani, Marcus Turam, on les remet bas, hop, ils jouent tous les deux 6. Et on met Rabiot il à gauche, on met le côté il est euh, droit, c'est toujours ce sera mieux. Il hein. y aura <rire> des mecs comme moi qui jouent au foot, peut quoi. Peut-être <laughs> vous, ah, peut peut vous avez une explication, Absolument. mais zéro, gros, zéro. 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 zéro zéro. Ce soir, il y a des. Et puis les, les ratés, des frappes qui partent dans les tribunes, des, des, il ratent des timings. Je fait... comprends pas, quoi. C'est, On dit autant qu'on dit, bah, il joue, il sait pas son poste. Les mecs, ils jouent à leur poste, quoi. Ou alors je sais pas, ils aient les bois en fait et sont sponsorisés par des marques de pompes, mais ils mettent les boîtes à chaussures et pas les chaussures. Je comprends pas. Tu <laughs> avait pas mis ses les Les sur... Autrichiens, oui, par contre. Marcus Suram, il y a beaucoup de gens qui l'ont défendu, défendu sur YouTube là, pendant la preview et notamment sur Twitter en disant que ce pas le schéma avec l'Inter qui jouait en ouais, double ouais, attaque avec ouais, la Otaro ouais. euh, Martinez. Est-ce que là c'est un problème de placement ou c'est intrinsèquement qu'il y a un problème Alors, je pense... Sur le premier match, on peut quand même se dire qu'en effet il a un rôle différent. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, le placement est différent, le rôle n'est pas si différent. Le rôle qu'il a à l'Inter, c'est d'être le garde du corps un petit peu de Laotaro. Il le fait très très bien. Et le duo, franchement, Marcus Turam, Lautaro Martinez, fonctionne très très bien. Mais l'artiste et Laotaro Martinez. Et l'homme qui travaille pour la hauteur Martinez est Marcus Turam. Et je pense que l'idée de Didier Deschamps, c'était de faire la même chose en l'excentrant sur ce côté gauche. Maintenant, le problème, c'est que si tu as envie de gagner l'euro. Il va falloir quand même que tu aies des mecs qui, à un moment donné, puissent avoir des éclairs de génie, puissent faire des différences sur des instants. Là, tu ne souffres pas dans ce match, enfin, tu souffres parce que tu n'arrives pas à mettre ce but de plus et à créer l'écart. Mais imagine, face à des équipes qui nous poseront plus de problèmes, qui nous priveront peut-être du ballon, c'est là qu'il va falloir avoir des mecs tueurs, comme on a eu en 2018, des mecs qui, voilà, vont prendre leurs responsabilités et à eux seuls vont changer le cours du match. C'est le Giroud notamment, on s'en rappelle contre l'Angleterre par exemple, on avait énormément souffert et sur un éclair tu peux tout changer. Là le problème c'est qu'on a du mal à avoir confiance justement dans Marcus Thuram dans le enfiler en tout cas le, le costume du sauveur ça paraît euh, très, très ce qui, improbable ce qui est fou ce soir c'est que la composition initiale c'était euh, Thuram à gauche et Mbappé mmh. euh, en pointe et puis ils ont vachement permuté du coup ça te laisse quand même vrai. Une, une liberté alors Marcus Thuram lui fait les efforts contrairement à Mbappé mais t'as quand même la liberté de parfois être face au jeu parfois être joué en appui mmh. parfois ils ont réussi à se trouver mmh. et tout donc dans, dans le contenu du match on va pas dire qu'il fait un mauvais match franchement non. tu vois il fait les efforts et tout c'est juste que T'es en attente d'un titulaire d'équipe de France qui soit capable, à un moment donné, de mettre une frappe cheloula, parle pas. Détends. Il y a un arrêt du gardien, on dit bravo, là, jamais il a fait ça, juste mm. une fois à la fin. Il s'est bien présenté, euh, premier poteau, là, il a tapé gauche, et puis bon, finalement, C'est mignon, vu... C'est voilà. mm. bon, la seule chose. C'est mignonné. Parce que là, ce que tout le monde va garder en tête, c'est les quatre passements de jambes incompréhensibles, et la frappe au-dessus, je ne comprends pas pourquoi il a... Il l'a enroulé. Mais attends, c'est ça le signal <laughs> que t'envoies, bonne confiance. <laughs> autant mignon, il est, il est rassurant, autant lui, mon gars, euh, peut-être qu'il devrait jouer gardien lui aussi, même physique. Mais c'est inquiétant, parce que là, on a joué une défense de l'Autriche, qui est même une défense moyenne vendredi on affronte les Pays-Bas avec euh, oui. notamment euh, Virgil van Dijk euh, en défense centrale vous êtes pas inquiet pour la suite de la compétition alors il faut pas faire de bon. conclusion hâtive oui, mais surtout pas vous n'êtes pas inquiet. Ah, je suis plus inquiet parce qu'il y a un mec a qui manque un nez. Et ça, c'est le meilleur ah. joueur. Donc, euh, ça, ça, ça c'est très inquiétant. Ça, un mais... un peu relou. Bah, écoute, Michael et Jackson couche. a fait tout à fait le nez Voldemort aussi, d'ailleurs. Hein. Belle carrière sur <laughs> nez. <laughs> non, mais tu peux être inquiet de l'animation de l'équipe. Ils ont la même <laughs> couleur, d'ailleurs. Hein. Michael <laughs> Jackson et Voldemort. Moi, moi je trouve dur l'animation. Elle a marché. Ils n'ont pas été efficaces. Ils ont eu 70 les mecs. Non, mais tu as raison. Là, là où tu as, as raison, c'est qu'on n'est que sur un premier match. N'oublions jamais, 2018, tu souffres contre l'Australie, je crois. Et tu peux jamais imaginer à ce moment-là que tu vas aller justement. Euh, au, bout de, au bout de la compétition on l'a souvent rappelé ici euh, dans cette émission l'idée ça va être d'avoir une montée en puissance il y a de très bonnes bases dans cette équipe de France maintenant on en attend plus voilà et on espère qu'on aura justement plus d'efficacité de... plus de danger créé par nos attaquants sur les ce, prochains matchs de tout ce qu'on dit moi il n'y a pas une fois je me projette pas loin dans ce taureau mmh. je dis juste que ben voilà, on doit on est est là pour un faire des briques. Tu... Moi, je trouve qu'on mm. a un gardien méliant mm. parfait. On a défensivement, je trouve que c'est bien et ça sera de mieux en mieux. On a parlé de la complémentarité okay. entre Pémecano et, et, et Saliba notamment. La, la match dernière le milieu de terrain, on a dit que c'était bien, que mm. le retour de Kanté, que Rabiot qui va pouvoir au fil des, des matchs jouer, mm. avoir un match complet dans les pattes, c'est parfait. Donc vaut mieux avoir des problèmes. Comme ça et en attaque, et se dire bah, « tout le reste va. Plutôt que de se dire, peut on met des pions. Par contre mmh. au milieu et derrière c'est le c'est le ouais, mais... c'est Donc tu vois, a, on n'a jamais tout. Mais c'est vrai que mine de rien, ce soir on a des situations. Et moi ce qui me c'est plus que des ratés, c'est aussi les lectures. C'est mmh. en fait on a des joueurs, ils vont pas se réinventer non plus. Mmh. Ils vont pas se réinventer. Ah, tu rames, ça va pas le, devenir. Bah, ça du un coup truc. pas l'état. Tu vois pendant cette euro là. Ça, moi qui et, ça, un, et ça mmh. c'est et ça c'est inquiétant. Moi le raté mmh. le, le, le raté de Mbappé. Euh, en en contre 1, m'inquiète parce que psychologiquement mmh. le message qu'il envoie, tu parles souvent de message, mmh. il est pas il est pas bon et derrière les conséquences, eh ben on prend 9 minutes d'arrêt de jeu, mmh. mine de rien, on a peur sans avoir peur mais au bout d'un moment on, est là, on se dit "Ah si il marque mais il y a un partout" <laughs> et clair. on a le droit aussi dans des compétitions de se rendre la vie un petit peu facile et j'ai l'impression qu'en fait on est reparti dans un euro à la 10 Bon, bon, bon mmh. OK, pourquoi pas on a déjà gagné comme ça mmh. mais on a le droit de se simplifier la tâche aussi. Mais moi c'est ça qui m'inquiète dans l'animation offensive de l'équipe de France. Tu l'as dit point d'interrogation du coup maintenant sur Kylian Mbappé, il y en avait déjà un énorme, mais il y en a un en plus avec euh, l'histoire du nez. Euh, Ousmane Dembélé, exactement comme tu viens de le dire pour Marcus Thuram, il ne va pas révolutionner son jeu, il ne va pas devenir l'homme le plus efficace euh, du monde en comme ça un claquement de doigts. Et Marcus Turam, on en attend encore un petit peu plus avec tout ce que je vous ai dit juste avant. Donc, euh, et derrière, les solutions, elles ne sont pas pléthoriques. Tu as Olivier Giroud, on le sait, qui, lui, est souvent très efficace, mais qui dispute sa dernière compétition, qui est à euh, bon, un âge quand même un petit peu avancé. Euh, tu as le jeune Barcola. Enfin, bon, tu vois, je ne trouve pas que… Il y, y avait un énorme point d'interrogation avant le début de cette compétition sur justement le jeu d'attaque. Moi, je ne suis pas plus rassurer ce soir. Et, et je vois pas ce qui pourrait me rassurer. Enfin, tu vois les motifs qui pourraient me rassurer dans les semaines à venir. Passer les tours. Voilà, voilà les on les connaît le style. On n'a pas vu exactement le match qu'on attendait moi, j'ai vu le match qu'on attendait. Une équipe plutôt sereine, sur sa force, qui, à un moment donné, a bien compris qu'en face, ils étaient quand même minables avec le ballon. Ils ont décidé de, lui laisser, <laughs> de leur laisser. On savait le côté gauche. On savait beaucoup Koundé. Et on savait que ça allait dépendre de l'efficacité Mbappé. Bon, bah, j il n'a pas vu... été efficace ce soir. Je à 3-0. J'ai aussi vu un match où que tu dois gagner 3-0. Hein. C'est ce temps, que je viens de te dire. Là... dire. Mais mmh. les, ça et dépend seulement d'un euh... mec. Mmh. Ça dépend de l'efficacité de Mbappé. Et bah Mbappé il rate une occasion qui est incompréhensible. Il y aura en premier aussi sur un magnifique ballon de Griezmann Il rate son contrôle. Oui. Mais pour le coup, il a l'occasion. S'il y a 2-0, le match après, tu connais, c'est clair. Ils l'ont fait le bon match. Ils l'ont fait, le, en tout cas, le match que j'attendais personnellement. Si vous attendez à plus, bah, vous allez déjà avoir plein, plein de choses. Très bonne entame, les ouais, bonnes non. intentions. Moi, je dis, il y a plein de bonnes choses. Ouais. Maintenant, devant, je, du ils n'ont pas été efficaces. Du... Petite voilà. info de l'équipe qui vient de tomber, les gars, il y a une ah ouais. minute. Euh, apparemment, Bappé, Né cassé, confirmé. Il pourrait y avoir opération. Voilà. Alors là par ouais. contre c'est en semaine que ça se compte hein. Exactement. Et, doit être, et doit être opéré à l'hôpital universitaire du Seldorf. Ah, c'est doit être opéré quoi. Dans il a tué quoi Sacré il... dos hein. Et du coup, euh, du coup il fera les jeux olympiques euh... <laughs> opération c'est une pas... catastrophe. Ouais. Opération, je sais pas le timing ça. du coup. Hein. Ah bah, c'est catastrophe. Bah là on parle de plusieurs semaines on parle de plusieurs semaines donc il va je falloir Je me rappelle que ça s'opérer là et que vendredi, soit là. Wouh, tu sais hey, allez. Ouais, j'avoue là. On oh, va prendre le masque noir mais bon pourquoi Pour avec le réel, hein, après, pour la prépa deux, deux, trois, pour, la, pour la présentation avec le Real. Deux trois anti-inflammatoires tu après je tu peux faire du mirage. je hein. pense que Dédé va s'en <laughs> passer pour les pour le reste des, des matchs de poule. On finit juste avec les notes wow. comme ça on a, on, on finit avec euh, avec cette équipe et, et ce match. Les notes on a mis donc 4 à Thuram, 4 à Dembélé, 4 à Mbappé et notre homme du match c'est Ngolo Kanté. Voilà, vous l'avez aussi euh, élu euh, de sur Twitter et sur YouTube. On regarde rapidement nos, nos tops aussi euh, de ce match, parce qu'on vient de, de faire beaucoup de critiques, donc euh, on va souffler, <laughs> un, souffler un peu. On a mis évidemment N'Golo Kanté avec euh, Rabio, Mike Maignan et Hernandez. Voilà, c'est nos trois tops. Vous avez rien à rajouter là-dessus, je On a fait le tour, nos, nos flops. Avec euh, l'autrice qui prend un, un bon flop. On s'arrête une minute, pas plus sur l'autrice. Euh, C'est une équipe qu'on nous avait vendue Notamment Mathias Touché hein, qu'on embrasse Remboursé, <laughs> Remboursé. Remboursé. C'est une drôle de prestation qu'on a vue ce soir Mais moi j'étais d'accord avec Mathias J'ai regardé votre, votre excellent preview les gars euh, d'il y a pas quelques pas. jours moi, je suis d'accord avec Mathias parce qu'on a eu l'occasion justement de la, de la voir, cette équipe, en, en match éliminatoire. On a eu l'occasion de la voir aussi en match amical avec une, euh, je me rappelle, une belle victoire, je crois, en Allemagne. Et c'est une équipe qui, par son pressing, par des joueurs peut-être que l'on connaît un petit peu moins, mais qui ont certaines qualités techniques, nous a enthousiasmés sur les éliminatoires. Alors c'est là que c'est deux compétitions différentes. Hein. Il y a des équipes qui brillent en éliminatoire et qu'on voit plus du tout derrière lors de, lors de la compétition euh, officielle. Euh, moi, je suis très, très, très déçu. J'ai vu une équipe de boucher. alors que elle a montré justement bah, d'autres qualités dans ces dans éliminatoires. Non, franchement, vraiment... Enfin, c'était nul franchement elle s'est comportée comme une petite équipe une... ils ont voulu truquer on a vu ça attraper Saliba nul. se jeter dans son j'ai pas, pas compris leur plan de jeu j'ai pas compris où ils ont voulu aller donc franchement c'était vraiment nul et c'est une énorme déception je trouve de, de, de voir le, le niveau proposé par l'Autriche l'Autriche qui devra se rattraper contre la Pologne on va se projeter sur le prochain match contre les Pays-Bas ce sera donc vendredi euh, 21 donc ce vendredi qui arrive à 21h les Pays-Bas qui se sont imposés contre la Pologne 2 euh, buts on va voir les cotes avec... On va déjà voir le programme puisqu'évidemment on est en live hein, après chaque match de l'équipe de France donc vous le voyez vendredi 21 Pays-Bas euh, France. On va voir les cotes aussi euh, chez notre partenaire euh, Winamax. On voit donc que les Pays-Bas sont à 320. Euh, l'équipe de France est à 215. On vous rappelle sur votre premier dépôt avec le code FT10 vous bénéficiez de, de 10 euros en plus si vous voulez euh, parier sur Winamax. Les gars en, quand vous voyez ces cotes ça reflète un peu euh, l'esprit qu'on a de ce match. Peut-être qu'elles vont grimper avec l'absence de Kylian Mbappé. Alors, clairement euh, grimper. Ouais. ouais, elles vont clairement grimper. Moi, je pense que la théorie du match nul peut être intéressante aussi parce qu'elle qualifierait virtuellement les deux équipes. Mm -hmm. Parce qu'on rappelle qu'il y a, euh, je crois, 75% des meilleurs troisièmes qui sont euh, repêchés. Tout, euh, tout pour... le monde est qualifié, quoi. Ouais, c'est ça, grosso modo, tout le mm -hmm. monde est à peu près qualifié. Si t'es 11 bon sur le terrain, normalement, tu passes. tu il faut qualifie Donc, okay. le Brésil, d'ailleurs. Hein. Est-ce que tu est est auras affaire <laughs> au grand... On le repêcher Bordeaux, les 2 aussi. <rire> 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 Donc est-ce que tu auras vraiment à faire au grand choc du groupe Tu sais, le match que tout le monde attend parce que qualitativement on va se régaler, etc. J'en suis pas vraiment ah, sûr. Il y a quand même un bras de fer qui s'annonce. Oui, 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 J'espère que les joueurs vont arriver en disant, tu, bah, pas... tu parles as sur une bon. qualif avec un match unique, Il y a aussi une première place à aller gagner pour ouais. se faciliter aussi. C'est Portugal, on lui dit à deuxième. C'est vrai, c'est vrai. Il faut pas de se faciliter la tâche. Alors on sait que des chiens aiment bien avoir des parcours compliqués, des matchs. Mais bon, tu finis premier, tu as le droit aussi de simplifier la vie. Quand on voit le match de la Belgique tout à l'heure, tu as le droit aussi de venir pour gagner tous tes matchs parce que sinon tu te mets tellement dans la Merde, ouais, Et les Belges est sont tous au bout du jour, des ah Belges là. Désolé, les gars, ça recommence. Voilà hein. mmh. oh, vache, c'est les Slovaques. Et on y est pour rien, nous. Ah là, pour l'instant, on y est pour rien, ouais. C'est les Slovaques. Je regardais un peu qui on pouvait croiser euh, de mémoire. Je, je, vais je, vais sur, je vais sur le bracket. De Quand mémoire, si on finit euh, premier de notre groupe, on affronterait le deuxième du groupe F. Ça vous avance Je vais vous donner le groupe F. Le groupe F, c'est évidemment le groupe du Portugal, comme euh, tu disais. Euh, ouais, Portugal, qui On en a parlé déjà, non vrai. Oui. Il y a tellement longtemps. <laughs> en tout cas, on, 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 on sera donc en direct. On va suivre de près euh, le cas uh, Kylian Mbappé, qui donc, c'est l'info uh, sortie par l'équipe, qui va être opéré à, à Düsseldorf. C'est un, c'est un énorme coup dur pour l'équipe de France. Envie de voir qui est à la place là Titulaire, on euh, ben, à la place. Qui on a envie de voir bah, Est-ce qu'on a le choix Comme ça, Giroud. Tu et... mets Giron en point, et tu décaltes un peu. T'es obligé de mettre un attaquant de pointe. Et t'es obligé de mettre ah. un attaquant qui va aller au mastic face à. ou bon, un ailier là, mais moi, Barcola, mais moi comment ah ouais là. Vous êtes sérieux ah ouais. mais... Face à... à notre ami. Euh... Vous voulez -vous voir un encore avec Thuram ah, Giroud, tu rames. Moi, moi, Non je, Moi, je vais voir un, me un mec qui puisse mettre des pions. Euh, dans non, des tu, peux wow. raison, tu peux changer les excentrés. Là où t'as raison, tu peux tout à fait changer okay, les, dites -nous les excentrés. Dites-nous dans le chat. Hein. Mais ah bah, moi, je ouais, pense. Euh, non, comment, mais tu, non. Peux, tu, peux, tu peux en effet changer les excentrés. Mais pour moi, au poste en tout cas numéro 9, tu es obligé de mettre un mec qui va peser. Enfin, essayer de peser bah, sur ça, une défense quand même. C'est physique bah, Tu vois, j'ai l'impression qu'ils jouent couloir gauche, apparemment. Ils ont permuté. Oui, c'est vrai permuté. que ça a permuté, t'as raison, dans l'animation. Je sais pas. On beaucoup Barcola barco, là. Hein. Ouais, pour moi, Barcola il a fait <laughs> toute la deuxième partie de la saison, il est gauche titulaire <laughs> au PSG. Si tu le mets pas là, je comprends pas trop, hein. Non ça se tient De toute façon ils l'ont bien pris Pour quelque chose Donc là finalement Avec le coup du sort de, de, de Papé C'est celui qui a, le, qui a le profil aussi poste pour poste Pour, poste pour remplacer Papé De la profondeur De la technique De la vitesse ah ouais. Donc pour déstabiliser La défense Hollande, euh, de, 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 de la Hollande T'imagines Giroud euh, Tu rames ton attaque wow Mais Par quoi là J'ai l'impression que c'est Non tôt, tu, tu vas... je suis pas sûr Que je mette tu, mettes, tu rames. Ah, Thuram oui, voilà, peut sortir de la rotation. c'est ça. Ah, tu ça, ça m'intéresse. Tu changes les qui, qui, qui remplace euh, tu, tu peux mettre tu met peux joué, fais, wow. Non, 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 justement, tu mets. Okay, okay. Tu peux changer, mettre Barcola par exemple sur le couloir gauche. Et okay, on okay. l'avait vu très, très bon avec le Paris Saint-Germain cette saison. Et tu peux mettre par exemple Olivier Giroud en numéro 9 Très bien. Ça, ça me va. C'est en tout cas une équipe qui me plaît un petit peu plus que. Et ce que j'aime bien avec l'idée Giroud, c'est que aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de centres dans la surface où ça manque un peu de présence par moment. Lui, au moins, tu es sûr que. Alors, oui, est-ce que tu auras de la présence dans la surface que tu auras pas ailleurs mais on a vu quand même aujourd'hui qu'il y avait deux trois situations dans les 6 mètres et il y avait personne. faut éviter qu'il y ait une top hein, pour défendre sur les frappes de Giroud ouais, ouais, oh, ouais. ah, ouais, mmh. voilà. tu, ouais. sais, tu <laughs> sais que dans les flops juste un, un petit mot Ça va moi. durer 10 secondes. On pourra parler aussi de la faiblesse des coups de pied arrêtés de l'équipe de France la parce faute à Grisou, que parce que alors la faute à Grisou oui, il était peu. bah oui, c'est le préposé donc il bah, est oui, il oui. est aussi il est au petit fautif là-dessus. N'oublions jamais que à chaque fois que l'équipe de France a remporté une compétition internationale, c'était l'un des axes forts je ne vais pas vous rappeler le scénario de 1998, je ne vais pas vous rappeler le scénario de 2018, et je ne vais pas vous rappeler le scénario de 2000. Mais sauf qu'on avait des, des centraux qui étaient bons de la tête, et là c'est plus le cas, on n'a plus un baran par raison. exemple qu'on avait sur les dernières compétitions, donc c'est un peu dur d'aller chercher des ballons de la tête. Bref, on se retrouve nous après le match contre les Pays-Bas, donc vendredi. Vendredi on sera en direct, pareil ici à 23h avec la, la même équipe, en espérant voir une nouvelle victoire de l'équipe de France qui nous qualifierait et qui nous assurerait sûrement la, la première place. Merci les gars. Merci cool. Merci Tom. Et Merci on se retrouve gars, toute la compétition, on vous rappelle, après les matchs de l'équipe de France. Ciao